Ok les petits potes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup, comme vous pouvez voir, un nouveau jeu sur ma chaîne encore une fois. Et oui, en ce moment je fais pas mal de nouveaux jeux et j'essaie de faire plein de jeux différents. On sait jamais s'il y a des jeux qui vous plaisent plus que d'autres. On verra bien après. Ce jeu là je n'ai jamais joué, je vous préviens avant, donc je le mets dans mode normal parce que j'ai jamais joué à ce jeu là et je veux d'abord comprendre les bases du jeu avant de faire plus difficile, lorsque je peux pas vous dire si je vais aimer ou pas le jeu. Peut-être que le jeu je vais peut-être pas aimer vraiment et je vais peut-être faire qu'un seul gameplay ou deux. Et peut-être que le jeu je vais bien aimer et finalement on peut faire plus. On verra bien. Donc c'est mon premier gameplay les gars. Ne me jugez pas, je ne connais pas encore le jeu. Et je vais apprendre avec vous. Peut-être que vous aussi vous connaissez pas le jeu. Et vous allez découvrir comme moi en même temps. Donc c'est parti, je vais mettre en mode normal les gars. Donc le mode normal c'est vous découvrez les jeux tactiques. Les ennemis infligent moins de dégâts. Forcément c'est le mode normal du coup. Les trackers se régénèrent régulièrement toute leur santé après chaque combat. Compétence régénération après chaque combat, ok. Le mode difficile, j'imagine que c'était la moitié du truc. Voilà, difficile, vous avez la moitié de la vie. Et les ennemis sont plus durs à tuer. Et extrême, forcément, c'est encore plus. Alors, vous avez compris. Donc voilà. Donc je prends ce mode-là. Le mode normal. Donc le jeu s'appelle Mutant, d'accord. On verra bien déjà ce que c'est. Parce que déjà, chez les personnages, c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est les mutants. On sait pas lire. Le jeu s'appelle pas comme ça pour rien. Donc j'espère que je vais aimer vraiment le jeu. Parce que je sais pas du tout si je vais aimer. Quelque part à l'est de l'arche. Ok. You know, I ask myself, Dux, why are you out here? And you know why. The Ark's water pump is broken again, and Hammond said he needs more scrap to fix it. Yeah, well, we'd do it a lot better if he'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on. We gotta head back before prep closes for the night. Donc c'est en anglais déjà. Ok, on peut choisir les personnages. Donc je suis là, il y a un espèce de canard. Et l'autre c'est un facochère, je crois, c'est un sanglier. Si je me trompe pas, voilà. On peut être les deux personnages les gars. Du coup, on a un cadavre là-bas apparemment. Une sorte de forêt. Shut the hell up. Wanna see annoying? I can show you annoying. Ils parlent leur langage. What's wrong with you? We're in the zone. Keep your eyes open and mouth shut. Yeah, you only told me that 9000 times already, Foreman. Alors, appuie sur LT pour aperçu de la zone. LT. Ok. Pour aller là-bas apparemment. Je vais me promener d'abord un petit peu. On va découvrir l'endroit parce que j'avoue que les forêts, il y a toujours plein de trucs suspects. Il y a quoi par ici? Il y a rien. Je pense qu'il y a pas grand chose par ici. Ah, faut aller par là, je pense. Après la petite pancarte. On va descendre en bas. Je viens voir qu'il y a un petit fossé de ce côté. Apparemment, il y a des ennemis sûrement par là. Il faudrait passer par là, les gars. Ah, il y a des gens. Donc il y a deux maraudeurs sur le côté là. Il y a un maraudeur niveau 1. Ah, il s'est fait toucher. Ok, le combat se déroule autour de par tour. Chaque tracker a droit à 2 points d'action par tour. D'accord. Donc les points, les équipements, c'est ok. Donc on a droit à deux actions chacun. Certaines actions, comme le fait de tirer et de lancer des objets, ou je peux peut-être mettre un terme à votre tour lorsque vous les utilisez. D'accord. Tirer. Sweet takedown. Accepté. Donc toi ici. Tirez. On peut pas tirer. Lancez une grenade. On va lancer une petite grenade, les gars. Allez.
Un abri partiel confère une bonus défensive de 25% contre 75%. C'est pour un abri total. Ah, il y a des abris, ok, il y a deux sortes d'abris. T'as des abris avec les petites, comme les troncs d'armes, tout petites comme par terre. Et t'as des plus grands, ok, c'est parfait. Contour un abri annule le bonus défensif qui confère. D'accord. On va lui tirer dessus. Tire de couverture. Se retrancher. Overwatch. On va lui lancer une petite grenade, les gars. Allez. Grenade. Ah, pfiou. Il va cramer un petit peu. Aïe, 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 aïe. Vas-y, lance-toi. Il recherche sa vie. Alors. Déplacez-vous les gars pour au moins vous protéger. Et toi. Se retrancher. Attends, se retrancher dans une position défensive, ce qui vous rendra 20% plus difficile à toucher en évitant les problèmes de statut. On va essayer d'aller. Ici. Aïe. Tiens là-dessus. Raté. Merde. Recharger. On va aller essayer d'aller ici. On va aller. On va aller où, Foucon? On peut pas avoir de cible. Ouais! Appuyez sur un pour regrouper votre attaque. Far south before, right in our neighborhood. Ok. I don't like it. Merci, Lee. Alors, un dégât critique, 50 jours de volée. Ok, good. Parfait, merci mec. Ok, donc on, les gars, on va aller par là-bas. Bon, le premier combat, on a réussi, les gars. Oh, c'est cool, le petit combat. En vrai, c'est, pour l'instant, le jeu pour le premier gameplay que je fais, là, pour la première combat, ça va. Bon, on va voir après, peut-être qu'après je vais... Ah, il y a un truc dans la voiture, je crois, non? C'est quoi? Ah, vous pouvez échanger des bouts de ferraille contre des armes de consommables, etc. Ou des tenues de la boutique de l'arche. En gros, c'est bien ce que je disais. Dans chaque jeu, vous avez toujours des trucs à récupérer. Donc c'est pour ça que je fouille toujours tous les endroits, etc. Donc on va voir ces deux trucs dans les parages. Je pense qu'il n'y a rien par ici. Non. Ça, faut aller par là, les gars. Donc on va aller par là. On suit le petit chemin. Oh, on a des gens. Got ourselves some ghouls. Il y en a beaucoup plus costaud que l'autre. You better get into ninja mode. Listen, turn off your flashlight. Le plus mastoc, il a l'air plus dangereux quand même. Hein. Il va être sûrement galère à tuer. Les ennemis signalés à un crâne rouge sont très puissants pour votre groupe et vous tueront. Ah bah ça fait très. Ok, évitez les ennemis signalés par un crâne rouge. Et explorer la zone pour découvrir l'adversaire qui représente votre niveau. D'accord. Donc on va peut-être faire une bite tour, les gars. Pour entrer ou sortir d'un mode festif. Ok. Donc là-bas, on va pas y aller par là. On doit aller par là, les gars. On doit éviter de se faire... I will rip off their tiny stalker arms.
On va passer par là. On va faire le tour, les gars. Stay back. Ok. On va voir si on récupère des trucs. Ah, cool. On a récupéré quelques trucs. On va passer par là, les gars, parce que peut-être qu'il y a... Je sais pas s'il y a une entrée par ici. J'espère, parce que si je vois pas trop par où on pourra passer. Il n'y a pas d'entrée par ici. Ah ouais, il n'y a pas d'entrée. Hein. C'est un cul-de-sac, les gars, je crois. Attends, je vais voir par ici, mais... Je crois que... Il y a peut-être une entrée par là, mais je suis pas sûr. On a une bonne départ, je crois. Je crois aussi. On doit aller par là. Et on doit éviter ces deux là. On va voir si y a des trucs par ici. Y'en a. Suis-moi. Suis-moi, monsieur le sanglier. On va essayer de passer par là, les gars. En fait, c'est marqué qu'on doit essayer de les éviter ou faire trouver un autre chemin. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Est-ce que je peux passer par là? Je pense pas, hein. Non, je pense pas. On peut pas passer par là. Je crois qu'on est obligé, de passer par là, les gars. On est obligé de passer par là. Voilà, faudra se cacher et le contourner pour pas qu'ils nous entendent. On va essayer, De toute façon, on n'est pas dit, on n'a pas trop le choix de passer par là. On va juste essayer de ne pas se faire repérer. Croyez-vous qu'on va réussir? Enfin, que je vais réussir parce que c'est moi qui joue, mais... Vous avez compris. Doucement. On va essayer de pas se faire repérer. Oh! On s'est pas fait repérer, les gars. C'est un miracle. Bon, c'est une certaine distance, faut pas s'approcher trop. Si on s'approche à une certaine distance. Ok. On a réussi premier. Ouh. Et en vrai, je me disais, il va nous attaquer, mais non. Je vois qu'il y avait une sorte de limite où on peut passer sans se faire repérer, donc c'est bon. Je suis pas assez crème, les gars. En fait, c'est, il y a plusieurs niveaux de créatures, je pense, dans la forêt. Et... Du coup, on a réussi à passer. Et on doit aller par là. Bon, the arc's up ahead. Home, sweet home. Oh, I'm gonna kiss that elevator when I see it. Get upstairs, take a bath, get a grog with the boys. Get another grog with the boys. Foot massage. Ah, oh, it's gonna be great. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer dans la forêt? Oh, il y a un campement ici. Je crois que c'est un campsite. Looks like the family lived here. Lived here and died here. Il y a des morts nothing aussi. Like a bunch of skeletons to put your mind at ease. Un kit de soins. Il y a un truc ici, je crois, non? Ah non. Bon. C'était une sorte de kit de soins. Il y a un autre par là. Je vais voir s'il y a des trucs par ici. Il y a une entrée, est-ce qu'il est par là pour passer? Ouais, c'est par là pour passer. Ah. There's a cabin up ahead. Definitely feel a ghoul vibe coming off of it. So we run in, guns blazing? Too dangerous. If we're sneaky, we can get into a good position. A good position keeps us alive. Turn off your flashlight. Donc, c'était dangereux, du coup. Alors, tant que vous ne faites pas de... Détecter, vous pouvez repérer les ennemis isolés et l'éliminer à l'aide de vos armes silencieuses. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est utile ça. Les armes silencieuses dans tous les jeux, c'est franchement c'est le truc où tu peux tuer l'ennemi sans que même les autres remarquent. Ceci peut vous permettre de prendre l'avantage dans un combat en utilisant le nombre d'ennemis avant de début de style. Donc moins que vous faites de bruit, vous tuez plus facilement les ennemis rapidement et mieux que c'est pour vous parce qu'il y aura moins de gens à tuer. Donc ça veut dire que vous êtes encore plus d'avantage.
Attendez, je m'installe correctement parce que là, je suis en train de glisser sur ma chaise, les gars. Allez, c'est bon. Allez, on y va. Donc, et ben c'est parti. Je regarde s'il y a des petits trucs à récupérer dans la forêt avant d'aller plus loin. Mais je pense pas qu'il y a d'autres trucs. Hop là, je récupère. Donc il y a deux ennemis, je crois qu'il y en a que deux là-bas. J'en ai pas vu d'autres. Hungry, hungry. I guess we take the ark. Taste the mutants. Ah, il y a trois ennemis. Il y a un troisième là-bas. There we go. Rip their hearts. Crush their. Hey, hey. You that? I hear my stomach. Donc il va falloir essayer de passer sans qu'ils sachent que je suis là. Activer cette unité fait engager le combat. L'ignorer vous permettra de le garder caché au même endroit pour plus tard. Unités cachées peuvent se refaire repérer par un ennemi en combat si elle se rapproche trop. Ok. Donc je vais. Tirer. I owe you a grog. That was amazing. Il y en a trois, j'en avais que trois. We're a long way from the Ark, Beast Boy. Overwatch. Overwatch. Alors là, comment trouver un ennemi, c'est trop drôle. Quand vos équipes de trackers engagent des niveaux, chacun vos butants vous gagne des points de mutation. Cool. À la fin, pour ressembler à ça, sérieux? Ah, ça peut être génial. Les points de mutation peuvent vous servir à débloquer de puissantes mutations de combat ou améliorer les caractéristiques de vos trackers, telles que la santé ou la distance de déplacement. Ça, c'est stylé. Ok, on va récupérer les trucs là. Merci. Ah, la boîte à bruit. Étrange boîte parlante qui met des sifflements et des crachoteurs, ça s'appelle, non? Quand on a l'allume. Mais des fois, selon l'endroit où se trouve, elle parle par une session de bip ou même des voix à peine ambiantes. Ok. Donc je pense que c'est utile pour Look at this beauty. On fout l'endroit, les gars. Junk behind, but once in a while you see something like this. Toujours fouillé. Wonder what these buttons are for. I wouldn't touch it if I were you. I'm not kidding around. Lay off the buttons. What's up your butt? That's a bomb, all right. They used to call it a boombox. Touch that red button, and it goes boom. Don't be pretending you know what any of this crap is. We'll bring it back to the Ark and show it to Prip. Ask him what it's worth on the black market. On peut rappeler là-haut? Stylé. Bon, on va dans la petite maison là, je pense qu'il y aura des petits trucs à récupérer, je pense.
dans la petite maison. Oh ouais, et de la ferraille. C'est tout. Bon, c'est là pas mal. Ok, on sort de là. Du coup, il y a un truc là-bas, je crois. Attendez. Il y a un truc qui brille. Hop là. Il y a un truc là aussi. Yeah, yeah, prize time. Oh. Ça, c'est un sac à joujou, ça. Alors, cette arme à feu affiche d'impressionnants dégâts, ce qui permet. Attends, voilà, j'arrive plus à lire. Alors, dégâts, ce qu'elle perd en suité, elle compense par la puissance de feu du tir. Elle est capable de renverser la plupart des ennemis. Cool. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça, les gars. Faut toujours récupérer les trucs. Je pense que j'ai tout récupéré ici. Je fais le tour quand même, parce qu'on sait jamais qu'il n'y a pas un fusil par terre ou quelque chose de ce genre, vous voyez. C'est bon, je pense que j'ai tout pris ici. Alors normalement faut aller par là. Il y en a un truc par ici. C'est marqué faut aller par là, mais je crois qu'il faut passer par ici. Ah ouais, en plus il y a un truc par terre. Un flingue. La forêt elle a l'air grande quand même en vrai. On y va. Du coup on va voyager de nouveau. On va changer d'endroit encore. Le but c'est de retrouver l'arche, je crois, de. Of course the world ends. You did it to us. When the ice melted, you said nothing. Oh, l'iceberg qui s'écrase. Dommage qu'il explique pas ça en français. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least that's what the Elder says. But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark. The Ark is humanity's last outpost, a lonely island in an ocean of chaos. Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one, with the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave, because outside these walls lies the Zone, the never-ending wasteland. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments, your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on stalkers, adventurers who leave the Ark, explore the Zone and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the rot, and they got the smarts and the firepower to keep the Zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, aka the mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. If the Stalkers come back from the Zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. Ah, le petit mode histoire.
C'est stylé. Du coup, la petite carte, là. Là qu'on doit aller, c'est à l'arche. Non seulement les tenues que vous recevez. J'ai même pas le temps de finir de lire, il l'a fini. Ok. Oh. Home sweet home. The elevator's up ahead. Ça, c'est nos potes, là, le petit canard. Le canard. On va fouiller des endroits pour voir s'il y a des trucs. Il y a des cadavres ici. Appuie sur LT pour voir la vertu de la zone. Faut aller là-bas. Ok. Il y a un truc dans la voiture ou pas? Non, je pense pas. Ah si. Hop là. Whoa, hold up. Got two ghouls hiding over there. Think they want to hitch a ride on our elevator. Forget that. Let's sneak around and see if there's any others. Des chasseurs. Aïe aïe aïe. Tire. Coucou. Au revoir. Il y a encore en vie. Ah, il y a encore un autre. Aïe aïe aïe. Recharge. Au revoir. I hated that asshole. Oh, tiens, allez. Oh, oh, oh. Dans sa face. Il y a l'autre là-bas là, qui va venir nous rendre visite là. Je me soigne. Je me change de place. Wouhou! Overwatch. Raté. Vas-y, allez, vas-y, vas-y, vas-y. On recharge le flingue. Vas-y, tire. Oui. Tu l'as eu. Don't fuck with the arc, mute. Merci bien, mon petit gars. C'était gentil de ta part. Follow me. I don't like the ghouls being this close to the Ark. Quick, inside the elevator, so we can get to safety. Alors, notre Clara, la traqueuse.
C'est vraiment dommage. Si vous avez eu certaines infos à lui offrir, Delta nous aurait sans doute offert la réduction promise. Alors voilà l'info, il y a une machine à étincelles en état de marche à l'ouest de Serpent de Fer. Ok. Dans les ruines de ferraille, les anciens aviations utilisent pour coller plusieurs objets ensemble en les brûlant. Ah oui, d'accord. On serait donc dans le genre, sauf que bien sûr, ce serait trop facile si on pouvait aller le récupérer comme ça. Et le coin en grouille de goules. Des goules, c'est les créatures qu'on avait un peu, je pense. On a dû battre en retrait, mais pour la prochaine fois, on vous l'aura saleté. Clara la traqueuse. Ok. Come on, let it be something good. C'est quoi? Cool. On prend ça. Hop. J'ai rien, s'il y a des trucs à récupérer. Normalement, on a tout récupéré. Ici, je crois. On va prendre lui, on va essayer de le récupérer. Sur les cadavres, là, qu'on a tout à l'heure. On les a tués où? Hop. Bah voilà, il y en a un là aussi. Hey, follow me. Je l'ai appelé pour qu'il me suive. Ah, viseur ancien. Ah, ça c'est bien ça. Ça peut être pratique. C'est le sniper depuis tout à l'heure. Dans le début, au deuxième. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Faut qu'on aille là-bas, nous, à l'arche. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un truc là. Hop là. Il y a un truc qui brille, c'est-à-dire qu'il a sûrement un objet. Je vais vérifier chaque endroit de toute façon. Je vais regarder la voiture là, c'est un des trucs. Je pense pas qu'il y a de trucs. On va dans une espèce de caravane là. Je pense pas qu'il y a d'objets autres ici. Bon, on y va. Let's go pour le voyage. Normalement, on va monter comme on vous a montré derrière dans le. C'est un peu l'ascenseur, je crois. The Elder meets us at the elevator. He says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man. Il a dit c'était important. And that man is Hammond. Everyone in the Ark knows Hammond, respects him. He's our lead, gearhead, going farther into the zone than anybody else, bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running, how to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. The Elder says 3 nights ago, Hammond took his team of stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Dux never patrolled that far before. But the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin, search for clues, then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it. Bon. J'aime bien la petite cinématique que j'ai pas. Le mal que c'est pas en français, parce qu'on comprend pas toujours tout du coup. Utilisez des pièges d'armes pour améliorer vos armes. Moment à l'atelier de Delta. Ok. C'est pour ça que je récupère tous les trucs. Ça peut toujours être utile plus tard. Fouiller la cabane d'Almon. D'accord. Donc là, c'est l'atelier de Delta. On a dit pour les armes. Chez Trip. La boutique d'Elia. L'aîné. La zone. Bon, écoutez, on va d'abord aller ici.
Parce qu'on doit améliorer nos armes. Wanna know how this goes down? For the right price, I fix and upgrade your shitty gear. Any questions? Alors, ça c'est nos armes à nous qu'on a. Ça c'est son arme à lui, améliorer s'il te plaît. On va améliorer le module des dégâts. Et ça. Parfait. Good. Ensuite ça. Papa. Ça. Non. Non, non, c'est bon. Bye. On n'a pas tout, encore tout le matériel. On va aller à la boutique ici. Voir ce qu'il y a de beau intéressant. You know the drill. Stalkers want gear that keeps them alive. I, Iridia, provide the gear. Y'a un mec qui fait du vélo derrière. There is one rule. Don't ever, ever pull my chain. If you pull my chain, I'll feed your ding-dongs to a zone wolf. Got that? Okay. Beautiful. Happy shopping. Alors, ça c'est tout ce qui est armement. Donc là, c'est des grenades à main. Détruit les abris. Brûle les cibles pendant les tours. Ah oui, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Ouais. Bon, on va en prendre deux. Ça, c'est le fumigène. Ça, c'est le grenade à main. On va prendre quand même ça. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'a servi tout à l'heure en plus. On va aller à la zone, les gars. Je vois ce que c'est. Ah, la zone, c'est quitter le truc. Je vais aller là-haut. C'est quoi là-haut? My home will always be a haven. C'est le chef, non? Je pense. Grave stalkers. After your journeys, pay me a visit. And I'll offer you some guidance. Perhaps a story. To help you become wise and strong. Okay. Thank you for letting this old man ramble. Go in peace, stalkers. On va aller chez Strip du coup. On peut pas aller autre part, je pense. Hein. On va aller dans le bar. After a killer day in the zone, you know you can always come to Pritz for some high-quality grog. You want to get loaded? Order a shot. No butane, no bleach, only natural ingredients. I also dabble in a little, antiquity trading. So if you find any cool artifacts out in the wasteland, bring them to me and I might give you something in return. Comprende? Okay. Ça c'est quoi? Rallonge la durée des hémorragies des membres du groupe de deux tours. Alors, en gros, des bagarres, j'en ai connu un paquet depuis des ans. Ce que ce soit ici, dans le bar ou dans les zones, dans le temps, j'étais capable d'écraser le crâne. Du coup, rien qu'en utilisant la puissance de mes fessiers. Ok. Vous voulez que je vous réserve mes secrets comme ça? Je serai des vrais durs. C'est mieux que se faire marche dessus. Ok. Le mulet débloque un lancement de grenades supplémentaires par membre du groupe. Qu'on fait une réduction de 20% à la boutique d'Ivania. On va prendre ça. Et... on peut pas prendre plus? Ah, on peut prendre qu'un. Ok. Bon. On a visité tous les endroits. On a été voir dans chaque truc. Du coup, là, on va aller à la zone. Et on doit aller faire quoi? Fouiller la cabane. On doit aller ici. Donc on va ici. C'est parti. Du coup, les petits potes, ce sera du coup le deuxième épisode. Celui-ci. Du coup, aller à la cabane, ce sera le deuxième épisode. Donc je vais appuyer sur pause, les gars. Donc, bien sûr, on va sauvegarder.
sauvegarder. Voilà, sauvegarder. Du coup, les gars, moi, je vous dis à tout à l'heure, du coup, si jamais vous regardez à la suite, les deux vidéos à la suite. Donc, je pense que ce jeu-là, ce sera tous les lundis, probablement, ou tous les deux jours, je sais pas comment je vais faire. Mais on verra bien. Pour l'instant, le premier épisode, ce sera, du coup, lundi, alors vous parlez, vous serez lundi, du coup, et la vidéo sera publiée, donc, lundi. J'espère quand même que ça vous plaît, cette petite vidéo que je publierai tous les jours, une fois, à chaque fois. Sur ce, je vous dis, du coup, à la prochaine vidéo. Ce sera l'épisode 2, où, du coup, on doit fouiller le bâtiment, donc la cabane, du coup, en question. Et puis, si ça vous plaît, ce genre de contenu, j'en ferai vraiment tous les lundis. Je pense que ce sera tous les lundis, je pense qu'il y aura cette vidéo à chaque fois. Donc, sur ce, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un maximum de likes, de partages. Et n'hésitez pas à commenter si vous aimez bien ce genre de jeu vidéo. Ou si vous aimez bien les nouveaux jeux vidéo, du moins que je mets sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas quand même à partager à vos amis. Plus qu'il y a de monde sur ma chaîne, d'abonnés, plus qu'il y aura d'abonnés, plus qu'il y aura de vidéos, d'autres jeux différents, etc. Et je pourrai enfin pouvoir m'acheter un nouveau casque, parce que celui-ci, vous avez dû comprendre qu'il fait un petit bruit. Vous l'entendez peut-être quand je fais des vidéos, il y a un petit bruit de fond. C'est pas tellement, disons, chiant, mais un petit peu quand même, on est d'accord. Ce casque que j'ai là, je l'ai depuis 2017 et je voudrais bien m'acheter un nouveau. Mais ça coûte cher les casques gaming, surtout les bons casques ou des bonnes qualités, etc. Donc, si vous voulez, je vous achète un meilleur ou qu'il n'y a plus de bruit quand je fais une vidéo, eh bien, vous savez ce que vous avez à faire. À vous abonner et à demander à vos potes de s'abonner, à vos grand-mères, vos grands-pères, vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, même juste vos voisins et votre chien ou votre chat, peu importe, vous avez compris le truc. Plus vous êtes abonné sur ma chaîne et plus qu'il y aura, du coup, d'investissement, etc. Donc, je pourrai enfin avoir une cam, par exemple, un écran vert. Ça coûte très cher, sachez-le. Les écrans verts, ils coûtent plus cher qu'on pourrait y croire. Surtout si vous voulez un écran vert avec un truc pour ranger spécial. Parce que moi, là où je situe mon PC, vous voyez le truc, c'est que c'est pas très pratique dans le sens où je suis dans le salon. Et du coup, l'écran vert, il faut qu'il puisse ranger, s'installer spécialement et être rangé sans pour autant me gêner à bouger. Parce que si je mets un écran vert derrière moi, je peux plus sortir de mon bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment qu'il y ait un écran vert qui puisse ranger facilement. Et le seul que j'ai trouvé, qui est le meilleur, le même que Squeezie, pour ceux qui connaissent Squeezie, je pense que tout le monde vous le connaissez tous. Il y a un écran vert spécial. C'est vraiment le même que lui que j'ai trouvé. Le problème, c'est qu'il coûte plus de 250€. Et ça coûte cher, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vraiment que je veux un écran vert dit d'une zone qui soit vraiment pratique pour moi, et en même temps, qui soit de bonne qualité, etc., eh bien, vous savez ce qu'il va à faire. À vous abonner. Et plus qu'il y aura d'abonnés, plus que ce sera mieux. Puisque du coup, à un moment donné, YouTube va pouvoir me rentabiliser toutes mes vidéos que j'ai faites depuis plus d'un an. Et enfin, je pourrai acheter du bon matos. Pouvoir faire des lives, etc., comme je faisais au début. Donc voilà, bref, on va pas perdre trop de temps parce que là je vous explique le petit truc qui a à faire. Vous savez ce que vous avez à faire, les gars. Donc voilà, après moi je fais juste que vous dire ce que j'aimerais bien, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous ai demandé, hein. Ce n'est pas obligatoire, mais ça me fera plaisir si vous le faisiez. Voilà, sur ce, à la prochaine vidéo, les gars. Force à vous, bon week-end si vous êtes au week-end. Peut-être que vous regardez la vidéo une semaine après, j'en sais rien. Mais si vous êtes lundi, comme à l'heure où la vidéo je la poste, eh bien, bon courage à vous. Bon courage à ceux qui sont cours et ceux qui travaillent. Allez, ciao.